Et l'Union européenne devrait annoncer cette semaine des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois, malgré le manque de soutien des constructeurs automobiles européens. Cette décision affectera non seulement les ventes des marques chinoises telles que BYD et Geely en Europe, mais aussi celles de leurs homologues européens, qui dépendent des chaînes d'approvisionnement fournies par la Chine. Les analystes craignent que le différend commercial ne s'étende à d'autres secteurs tels que le vin, dont l'UE est le plus grand producteur et exportateur. Outre la guerre commerciale, certains observateurs craignent que l'Union européenne n'en souffre car elle dépend fortement des produits verts chinois pour atteindre ses objectifs en matière de climat.